Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau tutoriel d'un mec en basket. Tutoriel consacré à Excel, toujours. Bah oui, on va pas changer. Euh, enfin voilà, une équipe qui gagne quoi. Que, Tant que, que ça marche, continue. Puis il y a plein de trucs à voir en plus sur Excel. Euh, Aujourd'hui, on va pas découvrir non pas une fonction, non pas deux fonctions, non pas trois fonctions, mais quatre fonctions. On revient sur certains basiques et fondamentaux, mais des petites Fonctions qui sont quand même super pratiques euh, et dont on, on se sert assez peu finalement, alors que pour euh, sortir des stats, etc., euh, filtrer des données, ça peut, être, euh, ça peut être assez intéressant. Ces fonctions, c'est lesquelles C'est nombre, euh, nombre val, nombre vide, nombre si, nombre si ensemble. Vous allez voir, elles sont super simples à utiliser. Euh, et puis donc on va voir ces quatre fonctions dans ce tutoriel. Euh, ça dans quelques secondes. Avant toute chose, un grand merci à tous. Euh, bah, comme toujours, comme à chaque fois, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, on a largement dépassé les 14 000 abonnés. Donc continuez comme ça. Abonnez-vous, si vous ne le faites pas pour vous. Bah vous le faites pour moi en fait puis ça me va bien. Euh, si cette vidéo vous plaît lâchez euh, un pouce bleu parce que si vous ne le faites pas pour vous, bah, vous ça aussi vous le faites pour moi et puis euh, et puis n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous voulez ou à pas en laisser si vous avez rien à dire euh, ou trois petits points éventuellement en commentaire si vous savez pas quoi dire mais que vous voulez laisser un commentaire. Voilà bref peu importe on se retrouve tout de suite sur notre tuto euh, on va faire une mise en pratique vous allez voir que pour une fois et eh ben, eh ben j'ai bossé un peu quand même. Allez on découvre ça ensemble tout de suite. Alors voilà notre base de travail, hein, vous avez vu il y a de la couleur, il y a des lignes et tout, ça change du vieux tableau pourri que je vous montre à chaque fois où j'ai rien foutu. Là vraiment il y, y a de la mise en page, de la mise en forme et tout, c'est classe. Hein. Vraiment moi je, je trouve c'est du bon travail déjà. Euh, donc ici on a une liste de personnes hein, avec un nom, un prénom, un âge, euh, un QI et un pays. Hein, des gens comme par exemple euh, Ikonovitch Vladimir qui a très gros QI, Hein, très intelligent, personne. Euh, et puis, euh, et puis bah, par exemple, Cindy, hein, Cindy avec un QI de 42. Bon, ben bah, voilà, Cindy, le seul examen qu'elle a réussi dans sa vie, c'était un examen d'urine. Euh, en comparaison, bah, Michel, Michel, hein, qui porte le, le même nom et le même prénom, qui lui a un QI négatif, même un examen d'urine, il a été recalé, lui, il a raté le bocal, ce con. Bah, voilà, donc on a différentes informations qu'on va pouvoir. Et eh ben filtrer, trier ou du moins pour lesquels on va pouvoir récupérer des données quantitatives. Je m'explique donc sur nos quatre fonctions grâce à un petit onglet explication. Eh hey, t'as vu comment j'ai bossé quand même. Alors première fonction nombre val. Elle va nous permettre de calculer le nombre de cellules contenant des données dans une plage de cellules. Donc bref j'ai dix lignes, j'ai neuf lignes qui sont remplies avec la colonne nombre val. Je vais pouvoir savoir que j'ai sur les dix lignes neuf lignes qui sont remplies. Nombre vide, eh ben lui va faire un job inverse en fait. Hein. Il va simplement me déterminer, me permettre de déterminer combien de cellules sont vides sur une plage. Nombre si va me permettre de calculer le nombre de cellules contenant des données selon un seul et unique critère défini. Et nombre si ensemble, il va faire le même job que nombre si, mais lui, il va multiplier les critères. Voilà, c'est tout pour ce tuto. Ben non, ben non, non, c'est pas non, c'est pas tout. Non, je, on, on se contente pas de ça. On met en démo. Alors, ici par exemple, je vais avoir un nombre de personnes, un nombre de vides, un nombre de Russes, un nombre de plus de 50 ans et un nombre de plus de 20 ans et qui ont un QI supérieur à 150. Autant te dire que Michel Michel et Cindy Beach sont pas prêts à... Ah ben fion Kevin non plus, hein, lui il sera pas dans le truc là. C'est pas possible. 12 de QI. Oh le pauvre. De galérer dans la vie. Hein. Ah, c'est pas grave euh, donc nombre val ici on va hop, là, afficher. Ah, c'est pas ça que je veux. Voilà donc il suffit simplement d'écrire la fonction égale nbval et de sélectionner ma plage de cellules. J'efface cette petite formule de calcul égale nbval. Il me la propose automatiquement et il me demande de sélectionner la plage. Et bien je sélectionne de ma ligne, enfin de ma cellule A4 à ma cellule A22. Je ferme ma parenthèse, évidemment, et il me dit que dans cette plage, j'ai 13 personnes. Vérification, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, je le stresse, 11, 12, 13. Il a bien fait le boulot. Dans ma liste, j'ai bien 13 personnes, ou plutôt 13 cellules contenant des données. Nombre vide, même fonctionnement, égal NB vide, et la plage. Hop là, je ferme ma parenthèse, je valide, j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5. J'ai oublié 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je stresse au corps là, deux doigts dans le somme. Hop là, 6 plages, 6 cellules vides, tout va bien. Allez, le nombre de Russes maintenant, comment fait-on Avec la fonction nombre si. Alors, égal nb si, plage. Alors la plage à contrôler, ça va être ici. Et le critère, ça va être Russie par exemple. Là, je le saisis manuellement, mais ce critère euh, peut faire référence à une autre cellule contenant par exemple un menu déroulant. Je ne vais pas le faire là, sinon on va se faire un tuto qui va durer 25 minutes, puis j'ai d'autres trucs à faire quand même. Mais euh, voilà, on peut très bien lier ce critère à un menu déroulant en le sélectionnant. Bam, ça fait le calcul automatiquement. Est-ce que j'ai bien de russe Eh bien, j'ai Vladimir Poutine ici présent. Et chez Vladimir Ikonovic. Ils s'appellent tous Vladimir, là-bas, c'est pas possible quoi. Ou oh, c'est le mec qui a fait ça, qui a zéro imagination. Bref, peu importe. Nombre de plus de 50 ans maintenant. Alors attention, ça se complique parce que notre critère désormais va devoir contenir, regardez, hop là, des petits symboles supérieurs ou égales, etc. Mais sinon la fonction est identique. Égale nombre si. La plage, ce sera la colonne qui correspond à l'âge. Et puis on va lui dire les âges qui sont supérieurs ou égaux à 50 ans. Je referme mes guillemets, je referme ma parenthèse. On aurait pu faire inférieur à 20 ou supérieur à 90. Euh, on ne va pas compliquer les choses, mais on aurait pu faire supérieur à 20 et inférieur à 50. Enfin voilà, on peut mettre une quantité quasi pléthorique de, de, de critères. Peut-être pas avec la fonction nombre si, peut-être plutôt avec la fonction suivante, mais. Ça reste faisable malgré tout. Je Walid. Deux personnes de plus de 50 ans. Effectivement, on a Emiliano Capellini, ici présent. Et Vladimir Poutine, c'est son vrai âge. Il a 67 ans. Non, ça fait jusqu'à 60 ans qu'il est au pouvoir. Dans 60 ans, il y sera encore. Il est mortel, ce mec. Ensuite, on complique un peu la donne, puisqu'on n'a plus un seul critère, mais bel et bien deux critères. Je veux le nombre de personnes qui ont plus de 20 ans et dont le QI est supérieur à 150. Hop là Regardez, la formule égale nombre si ensemble. Dès lors qu'on va avoir plusieurs critères, on va utiliser nombre si ensemble. Je ferme ça vite fait, je reviens là-dessus. Vous pouvez avoir jusqu'à 127 critères euh, dans la conception de votre formule de calcul. Bon, j'avoue moi-même, déjà, dès que je dépasse 10 critères, je commence à plus me souvenir du début une fois que j'arrive à la fin. Donc au bout de 127, à mon avis, tu as Alzheimer avant d'avoir fini. Et du coup... Hop là, je vais lui définir ma plage sur laquelle je vais aller chercher mon premier critère, qui sera supérieur ou égal à 20 ans, la plage qui contiendra mon second critère, qui sera supérieur ou égal à 150 dans notre exemple. J'efface cette formule de calcul et je réitère. Égal nombre si ensemble. Plage pour le critère 1, c'était l'âge. Le critère 1, c'était supérieur ou égal à 20 ans. Je referme mes guillemets et ensuite il me demande. Il est sympa, Excel, il me file un coup de main. Il me dit au fur et à mesure, voilà, plage critère 2. Ensuite tu mets ton critère 2. Il explique ce qu'il faut faire. Il n'y a pas de complication particulière. La plage critère 2, ça va être le QI. Je mets le point-virgule supérieur ou égal à 150 et je ferme ma parenthèse. Je valide et il me dit que j'ai 5 personnes dont l'âge est supérieur à 20 ans et le QI supérieur à 150. Là, une, 2, 3, 4 et 5. Le compte est bon. Poussons le vice plus loin. Un troisième critère. Combien habitent au Maroc Je sélectionne ma plage et je mets mon nouveau critère qui est entre guillemets Maroc. Je valide. Je n'ai plus qu'une personne Abdelrahman. Et à partir de là, eh bien vous voyez un truc tout bête, euh, j'ai deux russes sur 13 personnes, et eh ben regardez, on va faire un petit pourcentage, hop là, égal ça divisé par ça, j'ai donc dans ma liste 15,38% de personnes provenant de la Russie. Et là, je sors très facilement toute une ribambelle de statistiques dont l'utilité est plus que pas avérée pour un sou, mais sans me fouler finalement et sans y passer des heures et des heures. Grâce à ces quatre fonctions qui sont super simples à utiliser, mais qui permettent tout de suite eh ben, d'analyser euh, finalement les données présentes dans un tableau. C'est pas mal ça, hein ouais Ouais Bah lâche un, pouce, lâche un pouce bleu alors, allez vas-y, clique maintenant, tout de suite, c'est maintenant qu'il faut le faire. Et tu t'abonnes aussi, abonne-toi, c'est le petit bouton rouge en dessous. Puis tu peux cliquer sur la petite cloche aussi, ça comme ça à informé des nouveaux tutos. Voilà. Allez, c'est tout pour ce tuto. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente fin de journée et à très bientôt. Allez, ciao bye